En 1990, on peut dire que le prix Goncourt fut un coup de tonnerre. Il était attribué à un jeune romancier dont c'était le premier livre aux éditions de Minuit, Les Champs d'honneur. Il s'appelle Jean Rouault. Dans un nouveau livre, depuis ce prix Goncourt, il a publié beaucoup, beaucoup d'ouvrages, mais celui-ci revêt un éclat particulier. Il s'appelle Kiosque. Jean Rouault nous raconte sa vie avant le prix Goncourt. Ces années où il tient un kiosque à journaux rue de Flandre, il nous décrit à merveille l'atmosphère de ce quartier des années 80-90, avec les figures qui s'y pressent, et puis lui en train d'écrire péniblement, il n'arrive pas à terminer ce livre, et il ne sait pas que quelques mois après, il recevra le plus célèbre des prix littéraires français. Donc si vous avez aimé Les Champs d'honneur, courez lire Kiosque, et si vous ne connaissez pas Jean Rouault, courez lire Les Champs d'honneur, qui est véritablement un chef-d'œuvre.